et bienvenue à ces vœux 2022 du Collectif Pop en live. Je m'appelle Emmanuel Letourneux, je suis associé Pop et directeur de Pop Île-de-France et toutes les équipes se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et bien sûr la santé, hein, plus que jamais, puisqu'on est en plein dans ces sujets. On va passer maintenant une heure ensemble pour parler d'innovation sociale et de numérique inclusif et créatif. On va faire le point sur ce qui s'est passé chez Pop en 2021, parler des nouveaux sujets pour 2022, quelles sont les actions qu'on va mener en matière de médiation numérique, de formation, d'insertion, d'accompagnement des acteurs, quel retour d'expérience, quels sont les nouveaux besoins qui émergent. Alors bien sûr, vous pouvez liker la page, vous pouvez aussi commenter en direct. L'équipe va répondre à vos questions si vous en avez. Et si, pendant ce live, vous voulez en savoir plus, eh ben, sachez qu'on publie aujourd'hui le dossier d'impact de Pop, que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, à pop-collectif. On va donc commencer cette tournée des activités portées par Pop avec un zoom sur un sujet dont on a beaucoup parlé depuis le début de la crise sanitaire, qui est la médiation numérique. Alors, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur de la médiation numérique? Eh bien, chez Pop, on a envie de vous en parler de deux manières différentes, deux manières de faire de la médiation numérique en 2021, et le plus évident, celui dont on a beaucoup entendu parler, ce sont les dispositifs nationaux de grande envergure liés au plan de relance, par exemple les conseillers numériques France Service. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce sujet? Quels étaient les axes majeurs en 2021 chez Pop? Vidéo. Service est un dispositif développé et financé par l'État dans le cadre du plan France Relance. En 2021, les assembleurs ont coordonné le départ en formation de 400 conseillers France Service. Audrey Frérot, conseillère dans l'Aisne, nous parle de sa nouvelle fonction. Alors une conseillère numérique, c'est quelqu'un qui vient en aide à la population afin d'aider dans toutes les démarches administratives, aussi de faire des formations sur tout ce qui touche au numérique. Le dispositif ambitieux passe maintenant à l'étape suivante. Alors aujourd'hui se pose la question de la suite de ce dispositif. Il faut continuer encore à former quelques conseillers numériques France Service, mais aussi il va falloir se pencher sur la question d'animer ce réseau de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le territoire. Et nous, les assembleurs, nous aurons ce rôle d'animer les conseillers numériques France Service sur tout le territoire des Hauts-de-France. L'objectif, former d'ici 2022 4000 nouveaux conseillers numériques qui seront capables de venir en aide aux usagers dans leur quotidien au sein de structures privées et publiques. Alors, juste avant de commencer ce premier plateau, en compagnie d'Églantine Neuvitte, directrice des assembleurs, d'Alexandre Bigot-Verdier, directeur de Pop Café, et d'Emmanuel Vandamme, le président de Pop, sans transition, un deuxième sujet, car en 2021, il y a aussi eu un projet maison de Pop qui cherchait à trouver de nouvelles manières de faire de la médiation numérique pour innover dans ce domaine en se posant la question « Et si on mettait la médiation numérique là où sont les gens, dans l'esprit tiers-lieu ?» Et c'est notre deuxième sujet avant de commencer le plateau. Café d'Oisem, donc c'est un café. On sert du café d'une part. On aide les gens autour du numérique. On est dans l'idée de montrer aux gens comment faire et de ne pas faire à leur place. Le numérique, déjà, il a toute une histoire. Et puis nous, on essaye de les sensibiliser à des alternatives à ce que tout le monde connaît, notamment voilà, des logiciels open source ou des choses pour sortir un peu des gros logiciels que tout le monde connaît. Eh bien, je suis venu au Pop Café aujourd'hui parce que eh bien, déjà, ça m'apporte des solutions sur des problèmes sur lesquels je butais, qui étaient des problèmes basiques, hein, parce que je ne suis pas un geek. Donc, puis en plus, le lieu est sympa, il y a une bonne ambiance. On peut boire un café, manger de très bons cookies, c'est parfait. Voilà, alors, bonjour Églantine, tu es donc la directrice des assembleurs. Et avant de commenter la vidéo qu'on a vue tout à l'heure,
Déjà, qu'est-ce que c'est en fait que les assembleurs ? Alors déjà, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors les assembleurs, qui sommes-nous ? Les assembleurs, c'est le hub numérique inclusif des Hauts-de-France. On est né en 2019, au même titre que divers hubs numériques inclusifs au niveau national, dans le cadre des politiques publiques portées par l'État, au même titre par exemple que les passes numériques qui ont été lancées dans le cadre de ces dispositifs. Alors notre mission hub numérique inclusif des Hauts-de-France, les assembleurs, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'animer les écosystèmes d'inclusion et de médiation numérique sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France pour en favoriser à la fois la structuration et la montée en puissance. D'accord. Dans la vidéo, on a vu que les assembleurs ont coordonné la formation de centaines de personnes dans le cadre du plan de relance national. Et on imagine, enfin, difficilement comme ça, la plupart des gens, beaucoup de gens ne savent même pas peut-être ce que c'est exactement que la médiation numérique. Et donc, comment est-ce que c'est devenu à ce point prioritaire ? Alors pour ceux qui auraient lu l'article hier qui est paru dans Le Monde justement sur ce sujet et qui résume assez bien la situation, dans le cadre du plan de relance, c'est 250 millions d'euros qui ont été fléchés en faveur de l'inclusion et de la médiation numérique. Alors c'est une grande première en France puisque jamais autant d'argent avait été fléché sur cette question. Parce qu'il faut quand même savoir que la problématique de l'éloignement du numérique, on appelle ça la fracture numérique, etc., c'est tout de même 13 millions de Français qui sont concernés, 13 millions de Français qui sont en difficulté. Et donc dans le cadre du plan de relance, l'État a souhaité flécher de l'argent sur deux dispositifs principalement. Le premier qui s'appelle Aidant Connect, qui vise à donner mandat à des aidants qui font des formalités administratives en ligne pour le compte d'usagers. Et puis un deuxième dispositif qui est celui des conseillers numériques France Service. Alors ces conseillers numériques France Service, c'est qui ? C'est 4000 personnes qui ont été embauchées pendant 2 ans sur des collectivités territoriales, sur des associations et qui sont financées et formées pour apporter un service d'accompagnement aux usagers. Alors ces conseillers numériques France Service, c'est une super opportunité à court terme parce qu'effectivement, ça apporte de la ressource sur les territoires pour accompagner les usagers. Mais surtout, c'est un véritable enjeu à moyen et à long terme de venir commencer à structurer une filière professionnelle qui aujourd'hui est assez peu connue. Alors pour 2022, comment on transforme l'essai ? C'est justement notre enjeu à nous, assembleurs, sur cette année et comment on compte un peu y contribuer ? Déjà, bien sûr, en accompagnant le déploiement des dispositifs et en réfléchissant à sa pérennisation, mais aussi en continuant à renforcer la formation de l'ensemble des professionnels de la médiation numérique, en créant des contenus de formation qui sont adaptés à leurs besoins, en renforçant toujours l'accompagnement des collectivités et des opérateurs, et puis en animant les réseaux, en créant des ressources, en créant un média, et puis en continuant également à faire des focus sur des typologies d'usagers particuliers. Vaste programme donc, mais en fait, je me pose une question. La médiation numérique, comme tu l'as expliqué, ça consiste à intervenir au plus près des gens. Les assembleurs, c'est un dispositif régional. Du coup, peut-être que la question que je vais te poser, elle s'adresse aussi indirectement à Alexandre, dont on a vu le sujet sur Pop Café. Mais quand on est un hub régional, comment on fait ? Enfin, ça ne doit pas être facile d'agir très localement, au plus près des gens. En fait, comment ça se passe ? Alors, c'est un vrai sujet. C'est notre enjeu au quotidien. Notre enjeu au quotidien, c'est justement d'ancrer l'ensemble de ces dispositifs et d'être à proximité des acteurs du terrain. Alors, on a des choses qui ont pas mal évolué chez les assembleurs. On a démarré il y a 2 ans, on était 2. Aujourd'hui, on est 10. Cette année, on va encore doubler pour être 20. Et donc, pour vraiment aller au plus près. On a également un projet important cette année, c'est de commencer à mettre en place des points d'appui locaux sur les territoires pour permettre d'être au plus proche, d'être au plus réel, j'ai envie de dire, de la problématique des territoires. Et puis, les assembleurs, c'est aussi un gros enjeu sur 2022 qui est une activité qui se structure et qui est en train de passer sous forme de coopérative. Dans quelques mois, les assembleurs sont une SIC, une société coopérative. Donc, pour nous, c'est une grande année de transition, de changement d'échelle et de volonté de se rapprocher encore des territoires et des usagers. Ok, du coup Alexandre, toi pour le coup, tu avec Pop Café, la proximité ça, c'est vraiment ton sujet et c'est donc une dimension un peu différente de la médiation numérique que tu explores. Comment d'abord tu pourrais décrire vraiment ce qu'est Pop Café au-delà de ce qui nous a été montré dans la vidéo ?
et spécifiquement, comment intervient ce dispositif qui est finalement assez nouveau. Oui, mais à Pop Café, on aime bien décrire ça comme un opérateur de tiers-lieu numérique. C'est en fait une solution pour mettre la médiation numérique au plus près des gens dans les lieux de vie. Aujourd'hui, Pop Café, c'est quatre lieux d'intervention. Un à Oisem, un quartier populaire de la ville de Lille, qui est le tiers-lieu qu'on opère vraiment nous-mêmes. Mais c'est trois autres lieux d'intervention avec des partenaires. Un tiers-lieu numérique à Péronne, d'un comité de communes des Hauts-de-Somme. On intervient aussi au Ménadel et Saint-Hubert à Losangoël. Et on intervient à Creil en coopération avec la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Donc le Pop Café, c'est une solution avant tout pour mettre la médiation numérique dans les lieux de vie parce que les besoins sont tellement énormes et finalement personne ne se lève le matin en se disant qu'on a besoin de médiation numérique. Donc en fait, les solutions de médiation numérique, il faut les mettre là où les gens sont et tout doucement planter des graines d'une société numérique un petit peu différente. Merci, mais du coup, j'ai bien compris ça, mais du coup, avec Pop Café, on parle toujours de la médiation numérique, mais vous êtes quand même loin, finalement, des grands déploiements nationaux que décrivait Eglantine il y a quelques minutes, en parlant du plan de relance, en fait. Comment vous vous positionnez par rapport à ces grandes manœuvres qui sont en train de se passer à votre échelle ? Ces grandes manœuvres, elles sont très importantes, mais effectivement, on voit ça surtout comme de l'amorçage. On l'a dit, les besoins sont gigantesques. En fait, le sujet, ce n'est pas tant d'accompagner les gens dans la dématérialisation des démarches, mais c'est surtout de mettre le numérique au service des grands enjeux du siècle, les transitions environnementales et solidaires, par exemple. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'une société numérique qui se diffuse, qui soit appuyée sur des outils éthiques. Et donc, on a besoin de mettre de la médiation numérique un petit peu partout, un petit peu dans tous les lieux, dans tous les domaines. Et donc, pour ça, on a besoin de solutions d'ampleur. On a besoin de déployer vraiment des solutions dans tous ces domaines-là. Et c'est pour ça que la méthode de Pop Café, on a voulu qu'elle soit ouverte pour que n'importe qui puisse s'en emparer. Et qu'en fait, avec cette méthode-là, on déploie une espèce d'infrastructure de collaboration autour du numérique pour mettre ce numérique-là au service des enjeux territoriaux de chacun des territoires qui sont concernés. Alors, mais à Pop Café, j'entendais dans la vidéo, et puis j'ai pu le constater en suivant toutes vos activités, mais c'est le numérique dont vous parlez à Pop Café, mais enfin, c'est pas n'importe lequel, c'est pas le numérique. Je veux dire, vous n'apprenez pas, par exemple, à des gens à devenir livreur Uber ou des choses comme ça. Quelle est votre approche plus spécifiquement ? Parce que je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est avant tout un numérique qui est assis sur les usages quotidiens des gens. Bien sûr, on va avoir envie de pousser vers un numérique éthique. Maintenant, on sait très bien qu'on ne va pas sevrer les gens des GAFAM comme ça du jour au lendemain. Donc c'est avant tout le numérique que les gens utilisent. On veut que les gens s'approprient les usages du numérique et qu'ils s'en emparent. Mais bien entendu, puisque les Pop Cafés sont des lieux numériques ressources, à la fois pour les particuliers, les associations, les entreprises. À partir du moment où il va y avoir une envie de collaborer autour d'un outil numérique, par exemple pour du e-commerce, par exemple pour avoir une solution de livraison à vélo dans un territoire dans lequel on ne va pas attendre qu'une grande start-up qui en plus précarise les gens avec lesquels elle travaille arrive sur le territoire, et ben on va plutôt s'appuyer sur des outils qui sont open source, portés par des entreprises et des structures avec lesquelles on partage un certain nombre de valeurs, les entreprises de l'ESS et les coopératives et les associations. Et donc on va s'appuyer sur des outils numériques, en effet, plus éthiques, pour faire en sorte que cette société numérique qui est en train de se déployer soit elle-même éthique. Et de toute façon, ces outils sont nécessaires, puisque si on veut que les gens s'emparent véritablement du numérique pour le mettre au service de leurs besoins, il faut qu'ils utilisent les outils qui leur sont accessibles, et pas attendre des hypothétiques start-up qui leur proposent des solutions un petit peu désincarnées. Belle ambition, et à mon avis, vous avez pas mal de boulot devant vous pour pouvoir abattre Goliath. Bon, en 2022, blague à part, qu'est-ce qui attend Pop Café ? Puisque c'est que vous êtes assez récent comme projet. Pop Café, ça a ouvert il y a un an, un peu plus d'un an à peine. Alors, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais effectivement, le premier Pop Café à Oisem, finalement, on a pu l'ouvrir qu'après les derniers confinements, donc au printemps dernier. Un peu comme les assembleurs, il y a une forte croissance en 2021. Aussi, on est
J'étais tout seul il y a de ça un an, et puis bah là on est 11 maintenant, donc c'est une super équipe qui s'est montée, qui fait un super travail. Ce qu'on peut attendre pour 2022, bah, c'est des rencontres, parce qu'en fait pour que ça fonctionne, on se rend compte qu'il faut mutualiser cette ingénierie qui est nécessaire, parce que mettre de la médiation numérique dans les tiers-lieux, mettre de la médiation numérique dans les lieux de vie, bah, en fait c'est pas facile. Ça demande vraiment de se pencher sur comment on fait, quels sont les moyens d'éducation populaire qu'on peut aller chercher pour attirer les gens vers ces sujets, parce que je le dis tout à l'heure, personne se lève le matin en se disant tiens aujourd'hui je vais me faire former sur le numérique. Donc comment est-ce qu'on mutualise toute cette ingénierie là, et donc quels sont tous les partenaires qu'on peut rencontrer avec lesquels on va faire des projets communs pour pouvoir mutualiser tout ça et s'aimer. Merci. La médiation numérique, sujet de politique publique, la médiation numérique, sujet d'innovation sociale, en proximité comme à l'échelle nationale ou régionale. Je vais me tourner maintenant vers Emmanuel. Toi, tu es le patron de POP. Alors, ce sujet de la médiation numérique en 2021, ça a été un sujet central. Et disons, vu d'en haut de ton poste d'observation, comment décrirais-tu bah, ce qui est en train de se passer pour ce secteur, qui était quand même encore relativement méconnu il y a à peine quelques années? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec la crise sanitaire, qu'il y a une forme d'extension du domaine de l'inclusion numérique ou de la médiation numérique. La crise sanitaire a vraiment montré l'ampleur du besoin. Il y a certes les 20% à peu près de la population, les 13 millions de Français dont parlait Eglantine, sur lesquels il y a une urgence et une évidence d'accompagnement et qui constituent le socle de l'inclusion numérique. Mais il y a aussi quasiment les 80 autres pourcents de la population, dont parlait aussi Alexandre, qui ont tous besoin de s'emparer des outils, de s'emparer des usages, de la culture numérique, et qu'il faut eux aussi accompagner. Et c'est vraiment pour moi ce que la crise a montré, à quel point ce public, qui par ailleurs peut être tout à fait socialement intégré, qui n'est pas forcément dans les mêmes situations d'exclusion sociale, a vraiment besoin d'une inclusion et d'une médiation numérique. Et pour cela, en fait, on se rend compte à quel point il faut travailler avec les acteurs de ces secteurs, avec le monde associatif, avec le monde éducatif, avec les acteurs publics, évidemment, avec le monde de l'entreprise. Il y a encore énormément de liens à tisser entre le secteur de la médiation numérique et tous ces secteurs-là. On s'y emploie avec les assembleurs en menant des projets comme ça sectoriels. On y travaille avec Pop Café, on travaille avec différentes activités de Pop, et on se rend compte du besoin vraiment et de l'enjeu pour le secteur de faire sortir la médiation numérique de son domaine d'action habituel et d'aller explorer de nouveaux horizons. Merci Emmanuel. Alors juste avant de passer à la suite, je pense que comme ça vous avez un peu découvert peut-être certains aspects de ce sujet qui est devenu important, qui est la médiation numérique. Juste avant de passer à la suite, comme c'est les vœux 2022, en un mot, qu'est-ce qu'on va se souhaiter? Qu'est-ce qu'on souhaite au secteur de la médiation numérique, aux assembleurs et à Pop Café en 2022? En un mot, Emmanuel? Explorer de nouveaux horizons. Eglantine? De l'ancrage, de la proximité. Alex? Un maximum de rencontres. Eh bien, meilleurs vœux à la médiation numérique. Alors, on vient de le voir, la médiation numérique est sous le feu des projecteurs, elle est un sujet d'innovation, elle concerne de plus en plus de monde, et du coup, il y a un autre sujet que nous allons maintenant évoquer avec vous, c'est la capacité du numérique à changer la vie des publics en difficulté en les associant à des projets qui donnent du pouvoir d'agir. Comment est-ce qu'on travaille avec des personnes sur le moyen terme pour leur permettre de faire du numérique une opportunité? Au passage, comment est-ce qu'on essaye de changer le regard que la société porte sur les personnes en difficulté en montrant qu'elles peuvent être une ressource, une source de solution? Le sujet qu'on va maintenant aborder nous tient à cœur. Il montre à quel point le numérique peut être un outil d'émancipation et de remobilisation. Vidéo. C'est un lieu où on forme des jeunes au numérique tout en étant utile au territoire. J'ai rejoint la FAMNUM de Marc-en-Barœul pour reprendre une activité professionnelle. Dans un premier temps, et pour découvrir d'autres choses, une autre méthode de travail, plus ou moins pour essayer de m'aiguiller dans ce que je veux faire plus tard et pour découvrir aussi tout ce qui est autour du numérique. En 2021, comme Ryan, ils sont plus de 50 à avoir développé des compétences numériques pour prendre un nouveau départ. Comment ? En réalisant des missions pour le compte de collectivités, d'entreprises ou encore d'associations.
Alors, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant pour parler de la FABNUM AGI, qui est responsable de la FABNUM de Gonesse dans le Val-d'Oise, et Charlotte Berthelot, qui est responsable de la FABNUM de la métropole européenne de Lille. Juste pour mémoire, la FABNUM, c'est un dispositif innovant qui a été prototypé à Gonesse dans le Val-d'Oise pendant 5 ans, avant d'être déployé il y a une année dans la métropole lilloise. Et je vais commencer par poser une question à Charlotte. Comment définirais-tu la FABNUM en quelques mots? Eh ben d'abord, bonjour à tous et à toutes. La FABNUM, c'est d'abord une aventure humaine où on place les jeunes au cœur de l'apprentissage au niveau des métiers du numérique. Mais on les place vraiment au cœur de l'apprentissage et l'idée, bah, c'est de faire d'eux des acteurs de territoire, tout simplement. Agi, toi, tu travailles à la FABNUM de Gonesse depuis 2015. Et donc, avec toute ton expérience, ce qu'a dit Charlotte, tu as peut-être quelque chose à ajouter ou... Moi, je vais compléter. Je pense que ce qui fait la force de la fabrique, c'est l'apprentissage via les projets. Donc, le public de Charlotte est un peu différent d'une autre, puisque toi, c'est des volontaires service civique. Moi, c'est des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme et avec peu, voire pas de compétences. Donc l'idée, c'est de les remobiliser via le numérique à travers des projets qui nous sont confiés par le territoire. Donc nous, on offre, on va dire, de la main-d'œuvre, des cerveaux, de la créativité au territoire pour pouvoir rendre des services X ou Y. Pour qu'on comprenne bien, parce que dans la vidéo, on voit ben, cet espace où les jeunes font des choses, etc. La FABNUM, c'est donc à la fois, si je comprends bien, un dispositif de remobilisation pour des personnes éloignées de l'emploi, des décrocheurs scolaires ou des volontaires, et à la fois, c'est un endroit où on fabrique des communs numériques, on fabrique des choses. Agi, qu'est-ce que ça signifie, ça? En fait, je veux dire, comment on peut faire ces deux choses en même temps? Elle s'allie vachement bien ces deux choses puisque du coup les jeunes vont pouvoir acquérir des compétences de manière assez différente par rapport à l'école parce que du coup nous notre pédagogie elle est vraiment pas du tout descendante. Donc du coup, de notre côté, on va prendre un projet, je vais prendre un exemple, le club de karaté de la ville de Gonesse veut refaire son identité visuelle. Nous, on va du coup mener ce projet comme un projet avec de la gestion de projet et les jeunes vont apprendre les compétences pendant le projet. Et du coup, on rend un service direct au territoire. Charlotte ? Du côté de la métropole lilloise, c'est le même fonctionnement? Alors nous, c'est à peu près le même fonctionnement. Il faut savoir qu'on a démarré quand même, ça fait seulement un an, comparé à Gonesse. Donc nous, on est la petite sœur, donc une FABNUM à deux têtes au niveau de la MEL. Et nous, c'est avant tout d'abord, dans un premier temps, un dispositif expérimental. On est soutenu par la région Hauts-de-France et donc on a le droit à l'erreur. Donc les jeunes, évidemment, ils rendent des services aussi au territoire. Ils font de la fabrication, ils bidouillent, ils sont accompagnés par deux femmes managers au quotidien. Et donc une grande différence, c'est que ce sont des services civiques. Donc nous, on travaille avec les missions locales de nos lieux d'implantation et on a des comptes à rendre vis-à-vis de ces missions locales et on fabrique aussi des biens communs pour les territoires. Alors pour l'instant, on démarre petit puisque ça fait qu'un an, mais on fait de la fabrication numérique, on fait des petites enseignes pour des petits commerçants, on fabrique aussi de la signalétique pour un chantier d'insertion. Et donc, petit à petit, on commence à se faire connaître. Mais c'est sûr qu'on a démarré en février 2021, donc ça fait tout pile un an, en fait. OK. Mais ça, donc, c'est des projets très variés. Agi, à Gonesse, vous avez des exemples, des types de projets que vous avez faits pour la ville pour, Oui, on en a tout un tas. Je sais, ça doit, en 5 ans, on a dû en faire une cinquantaine, voire un peu plus. Exemple très concret, très récent. On a pu faire l'ensemble des 5 interviews d'artistes que vous voyez là d'ailleurs juste en bas qui sont intervenus durant tout l'été dans un projet artistique avec le Grand Palais. Donc les jeunes ont mené les interviews de A à Z, ils sont allés sur le terrain interviewer les artistes, faire la captation et faire le montage et faire la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un exemple très concret, très récent. Mais les jeunes ont pu faire une carte au parti, notamment.
L'idée, c'était de pouvoir remettre les adresses du quartier dans lequel on est, qui est un quartier QPV, du coup, à Gonesse, où l'adressage est assez approximatif. Donc, ils ont pu faire entrer je crois que c'est 1000 à peu près nouvelles entrées dans le système Google Maps et avant tout OpenStreetMap, parce qu'on a voulu le faire en open source dans les démarrages, mais on a pu faire de l'accompagnement du changement du personnel hospitalier de l'hôpital de Gonesse qui changeait de structure, enfin voilà, c'est assez varié, et on a fait beaucoup de formations notamment aux réseaux sociaux pour les commerçants, donc l'accompagnement à la digitalisation, ou l'accompagnement des personnes retraitées qui voulaient pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour mieux interpeller la ville de Gonesse concernant des problématiques de dépôts sauvages ou de problématiques, voilà, de voirie. Voilà. Du coup, la FAMNUM, c'est vraiment une ressource pour le territoire, pour les associations, les entreprises du territoire. Super. Et alors, mais Charlotte, tu disais, ça fait pile un an que vous avez ouvert. Premier bilan, fin d'année, perspective 2022, on en est où ? Bah là, ça fait pile un an, donc on a accueilli, là c'est notre deuxième promo qu'on accueille, ils sont arrivés le 2 novembre, donc on est super content de les accueillir. Donc il y en a une à Marc et une à M, ils ont évidemment le statut, je le redis, mais de service civique. Ils ont entre 17 et 24 ans, donc c'est des bacs moins 2 à des bacs plus 2, enfin voilà, on accueille surtout sur de la motivation, donc c'est ça qui compte. Donc on en est où là maintenant en janvier 2022 ? On espère transformer l'expérience en quelque chose de... avec une autre dimension, en tout cas de faire en sorte qu'on puisse transformer ça et de continuer surtout. Merci. Alors du coup, on a des questions sur le chat, et j'en profite parce que Agi, je crois savoir que peut-être tu as de l'actualité pour éclairer un peu ça. Clément sur le chat qui demande comment la médiation numérique fait le lien avec le retour à l'emploi, quel lien avec les acteurs de l'emploi du territoire. Et je crois savoir que du côté de l'Île-de-France, autour de la dynamique FAMNUM, justement, tu travailles sur ces sujets. Agi, quelques mots là-dessus ? Oui, du coup, là, l'idée, nous, du côté de la fabrique, aujourd'hui, on est quand même sur une trentaine de jeunes qui sont formés et qui sont remobilisés par an. Là, l'idée, c'est de passer à l'échelle. Donc, on a un projet qui s'appelle 100% Ensemble, qui va vraiment pouvoir former une centaine de jeunes, donc là on change quand même de ratio, sur le même principe. Ils vont être mobilisés à travers des compétences socles, numériques, transverses, et l'idée c'est de les mettre en action tout de suite, qu'ils aient des réussites immédiates et qu'on puisse du coup jouer avec notre réseau et pouvoir alors soit les diriger vers des formations qui sont qualifiantes, soit vers de l'emploi, puisqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines et notamment Elancourt, POP fait un travail assez monstre depuis quelques années, c'est tout frais. Donc voilà, on va pouvoir booster les jeunes de Saint-Quentin-en-Yvelines très rapidement, c'est une question de semaines, de jours. Donc voilà, pour répondre à Clément, 100 jeunes tous les 6 mois pendant 2 ans, soit 400 jeunes accompagnés vers l'emploi à travers un tiers-lieu numérique en faisant école sur la dynamique de la FAMNUM. On a une autre question de Flore sur les besoins de médiation numérique dans le secteur de l'éducation. Alors, Églantine n'est plus avec nous, mais je peux d'ores et déjà quand même dire que chez POP, on s'est engagé aussi sur un travail avec la Trousse à Projet, qui est une organisation liée au ministère de l'Éducation nationale, sur un programme qui s'appelle les territoires numériques éducatifs et qui vise à accompagner les écoles élémentaires dans le fait d'améliorer leurs usages numériques suite aux problématiques du confinement. Et on accompagne notamment avec les assembleurs le réseau des parents ressources. Voilà, pour revenir à la FAMNUM et pour peut-être conclure cette séquence, traditionnellement et pour les vœux, du coup, qu'est-ce qu'on se souhaite ? Qu'est-ce qu'on souhaite à la FAMNUM et aux habitants et aux territoires de la métropole de Lille, de Gonesse, de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2022 ? Charlotte, en un mot ? Eh bien, moi, je nous souhaite la définition d'un projet plus solide et la suite de l'aventure vers quelque chose de calibré, de plus grand, afin d'essaimer cette fabuleuse aventure. Donc, que du bon. Agi ?
Moi, je souhaite déjà plein d'amour et de santé, je pense que c'est assez essentiel, mais plein de projets divers et variés, parce que c'est comme ça que c'est ce qu'on sait faire et c'est comme ça qu'on aime avancer. Merci Agi, merci Charlotte. Merci. Transition. Soit porteur, les recruteurs peinent à trouver des personnes compétentes. Boris a commencé la formation de concepteur designer UI il y a quelques semaines dans la fabrique numérique des Hauts-de-Seine. Au school, j'en ai entendu parler par Pôle emploi qui m'avait inscrit dans le programme de suivi. C'est une des formations qu'il m'a proposé en présentiel. J'ai sauté sur l'occasion. Nous avons des formateurs qualifiés et qui sont vraiment à l'écoute. En 2021, Pop School avec Pôle emploi a ouvert 15 fabriques numériques et proposé une trentaine de formations, des parcours en développement web, communication digitale ou même cybersécurité. C'est le cas dans la fabrique numérique d'Elancourt. Guillaume, formateur en cybersécurité. Les outils de la cybersécurité sont aujourd'hui très prisés, extrêmement demandés. Et aussi, c'est des métiers qui sont extrêmement variés d'un point de vue des différents domaines. L'objectif des formations Pop School, c'est de permettre aux apprenants d'intégrer l'environnement professionnel. Un seul objectif, le retour à l'emploi. Et voilà, on continue, comme vous le constatez avec cette vidéo, sur la chaîne de valeur du numérique inclusif, du numérique du côté des usages, du côté des usagers, des habitants, des utilisateurs, le numérique inclusif avec un maillon essentiel, bien sûr, la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est ce que fait Pop School sur plus de 15 villes en France, avec la promesse de faire des opportunités de la filière une chance professionnelle pour toutes et pour tous. 2021 a été une année marquée par une forte croissance pour Pop School, avec notamment le dispositif Grande École du Numérique Pôle Emploi, dispositif national lancé dans la fabrique Pop School de Paris dès le mois de mai 2021. Pour parler de Pop School, on accueille donc Mathéus Zénal, responsable du développement chez Pop School, et Baptiste Dufour, responsable de la communication chez Pop School. Pierre Verlic, le directeur de Pop School, a le Covid. Il s'est donc excusé. Je sais que l'actualité de Pop School est riche, qu'elle est dense, mais avant d'en parler et d'évoquer les victoires et les défis qui se présentent et qui sont présentés en 2021, je vous propose de revenir un peu aux fondamentaux. Baptiste, ça fait très longtemps, depuis pratiquement le début de Pop School, que tu es chez Pop School. C'est un organisme de formation professionnelle, mais je sais que ce n'est pas n'importe quel OF. Quelles sont les valeurs, quelle est la singularité de Pop School dès le départ, dans son acte de naissance? Déjà, bonjour Emmanuel. En effet, Pop School, c'est l'organisme de formation du collectif Pop qui a pour vocation à former du coup des demandeurs d'emploi aux métiers émergents du numérique. C'est ce qu'on fait depuis 2015. On répond à un constat en fait qui a été fait du coup en 2015 et qui est toujours actuel, c'est qu'il y a 80 000 emplois qui sont non pourvus aujourd'hui dans le domaine du numérique. Et pourtant, il y a des jeunes NEET qui sont ni en emploi ni à la formation. On a des personnes qui ont des projets de reconversion professionnelle, qui ont des talents cachés dans la filière. Et en face de ça, on a aussi des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Et l'idée de Pop School, c'est vraiment de répondre à cette équation qui est d'une part du coup de mettre en formation ces personnes et de répondre à ces besoins. On fait du coup depuis 2015 on propose différents parcours de formation, des parcours de formation qui sont intensifs, immersifs, on travaille en mode projet et ça permet en fait cette pédagogie on va dire active permet de répondre vraiment aux besoins immédiats des boîtes. Et concrètement, ce qu'on fait depuis 2016, comme tu le disais, c'est que ça marche déjà et on arrive du coup à avoir de plus en plus de besoins, en tout cas de formation, et c'est ce qu'on fait. Merci Baptiste. Mathéus, toi tu es arrivé plus récemment chez Pop School et pour t'occuper du développement. Et en effet, dans l'introduction, j'évoquais le fait que Pop School est aujourd'hui implanté dans au moins 15 villes en France. Pendant des années, c'est resté un organisme de formation plutôt régional dans les Hauts-de-France. Puis ça s'est un peu ouvert en Île-de-France. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour que tout à coup, Pop School soit présent un peu partout en France, Mathieu?
Alors d'abord, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Donc ouais, comme tu l'as dit, 2021, ça a été une année riche et dense pour Pop School. On a eu deux principaux enjeux. Le premier, ça a été autour des conseillers numériques France Service, dispositif que je ne vais pas représenter parce que Eglantine l'a très bien fait avant moi. Et donc on s'est occupé du déploiement de 24 sessions dans la moitié nord du territoire principalement, et ça représente plus de 300 conseillers numériques France Service qui ont été formés. À côté de ça, on a aussi procédé à un renouvellement des fondements pédagogiques pour avoir une meilleure approche métier dans nos formations de conseillers numériques. Donc on a déployé ces formations en Normandie, en Grand Est, en Haute-France, en Île-de-France. Et à côté de ça, on a aussi répondu et déployé un marché public de Pôle emploi que tu as déjà brièvement présenté. Un marché public qui représente un investissement autour de 100 millions d'euros pour former des demandeurs d'emploi pour les deux prochaines années aux métiers en tension du numérique. Notre proposition a visiblement été appréciée parce que depuis septembre, du coup, on déploie des formations donc en Haute-France et en Île-de-France où on est déjà implanté, mais on a aussi posé nos valises en Grand Est, en Normandie et en PACA. Donc ça représente de gros enjeux de développement et pas mal de travail, mais on espère y arriver. Bon courage en tout cas face à tous ces défis. J'ai même entendu dire qu'il y avait peut-être des perspectives à l'international, etc. Bon, Baptiste, tu étais souvent aux premières loges. Quelques petites anecdotes sur cette année riche en rebondissements quand même, apparemment. C'était en effet, comme le disait Mathéo, une année sur laquelle on a eu beaucoup de nouveautés et qui répondaient à nos enjeux de développement. La première belle anecdote en tout cas qu'on a eue, c'est ce lancement en tout cas dans le cadre du nouvel appel à projet de la Grande École du Numérique en mai dernier, où on a eu la visite d'Elisabeth Borne, ministre de l'Emploi, et de Cédric O, secrétaire d'État chargé au numérique, qui nous a porté chance concrètement, car après, on a à peu près 1000 apprenants qui vont arriver chez nous. Qui dit développement, c'est vrai que moi, d'habitude, j'avais l'habitude de voyager en région Hauts-de-France. Le paysage, c'était on voyait les terrils. Aujourd'hui, quand on voyage, quand on fait 1000 km, on voit les nuages. Et par contre, c'est vrai que faire du développement, parfois, il y a des petites cacouilles, quoi. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est sûr que chez nous, on a l'habitude d'avoir un petit peu froid, mais les gens en PACA sont plus frileux que nous, par exemple. Donc, problème de chauffage, toutes ces petites choses, en fait, du quotidien, qui font des anecdotes assez sympas au bureau, qui sont des problèmes en effet réels et qu'on essaye de régler, quoi. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Mais alors Baptiste, Mathéo, j'évoquais le fait que la dynamique là, de croissance assez importante qui a été amorcée en 2021 va se prolonger apparemment en 2022, au moins jusqu'à fin 2022. Comment fait Pop School, en fait, à expliquer au début la manière très attentionné, le mode projet, la manière dont on accompagne les apprenants, qui sont souvent des demandeurs d'emploi, vers les métiers du numérique. Mais comment fait Pop School pour rester elle-même tout en étant aux quatre coins de la France, en se développant à cette vitesse? Ça doit être un sacré défi. C'est un sacré défi. Après, alors, il faut dire qu'on fait ça depuis 6 ans. On a eu le temps, dans les premières années en tout cas, de prototyper une méthode pédagogique. On a eu sur les années suivantes la validation de ce qu'on faisait. C'était plutôt bien fait, dans le sens où on a développé en Ile-de-France et dans plusieurs villes des Hauts-de-France des formations. Et après, il y a aussi des nouveaux défis. Les nouveaux défis, c'est les défis de développement, de structuration. Il faut dire qu'on a un renfort des équipes aujourd'hui. On était quand même, une quinzaine il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est 40. Et dans les prochains mois, je pense qu'on sera une soixantaine. Donc déjà, pour rester nous-mêmes, on a recruté Anne-Lorge, qui est chargée de recrutement chez nous. On s'est tous rassemblés, en tout cas l'équipe de Pop School, pour vraiment faire en sorte que les personnes qui rentrent chez nous gardent cet ADN Pop School. Alors c'est marrant, on a une question dans le public de Sébastien, qui, et du coup, ça me fait penser que Pop School s'est bien développé, parce qu'on connaît les écoles Simplon pour être un peu dans une position très, très avancée, un peu leader sur ces questions de formation numérique inclusive. Et Sébastien nous demande dans le chat, quelle différence entre Simplon et Pop School, Baptiste ?
Alors, c'est une question pour Mathéouche ou pour moi? La différence, c'est simplement, Pop School, on développe davantage l'ancrage territorial. Ça, c'est vrai que je l'ai pas évoqué. Mais l'idée, c'est que une fabrique numérique, du coup, c'est nos centres de formation, hein, concrètement, permettent en fait de créer des dynamiques au sein des territoires, des dynamiques avec les entreprises du coin, qui sont utiles en fait pour nos apprenants. Nos apprenants, quand ils passent la porte de la salle de formation, en fait, ils peuvent être en contact direct avec les boîtes. C'est le cas à Élancourt, Emmanuel, que tu connais bien. C'est le cas aussi à Valenciennes, parce que nos apprenants sont à la Nouvelle Forge. Je pourrais dire la même chose pour Lens, où la formation est au Louvre-Lens Valais. C'est vraiment, en fait, il y a Pop School. L'idée de Pop School, c'est vraiment de créer, en tout cas, des liens avec les territoires pour répondre aux besoins de recrutement numérique des territoires. Parce que l'idée, c'est pas forcément que tous nos apprenants partent d'autres villes. Les besoins numérique, en réalité, ils sont partout. Et après, l'autre point aussi, c'est que on a renforcé depuis longtemps maintenant, c'est l'accompagnement. Pour moi, ce que je dis, c'est l'accompagnement socio-professionnel, si on peut dire ça comme ça, où le responsable de formation, ou le formateur, ou le conseiller en insertion professionnelle est vraiment là pour travailler le projet pro de l'apprenant. Merci Baptiste. On peut peut-être ajouter aussi que c'est des partenaires avec lesquels on travaille souvent. On a plusieurs projets. La formation des conseillers numériques, Mathéo, tu l'évoquais, qu'on fait avec eux. Et donc, il y a aussi des points communs et des Ah oui, tout à fait. difficultés. Alors, concrètement, je me tourne maintenant vers Mathéo. Où est-ce qu'on va trouver en 2022, si quelqu'un a envie de suivre, voilà, une personne est inscrite à Pôle emploi ou en reconversion professionnelle, elle se dit le numérique, c'est mon truc. Où est-ce que je trouve une formation Pop School en 2022? Alors, d'un côté, au niveau des conseillers numériques France Service, on va lancer pas loin de 8 sessions à horizon du printemps 2022, ce qui représente environ 80 places pour des conseillers numériques France Service supplémentaires. Et à côté de ça, on continuera aussi sur la dynamique qu'on a enclenchée en 2021 et le marché public de Pôle emploi et de la Grande École du numérique, où on aura donc des formations partout en Haute-France. En Île-de-France également, dans le Grand Est, je pense à Metz, Strasbourg, Nancy, en Normandie, au Caen, au Havre, et en PACA à Toulon et à Nice. Donc des formations qui seront ce qu'on fait déjà dans le développement web, la cybersécurité, le graphisme ou la communication digitale. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et oui, et je reprends ma casquette de directeur Île-de-France pour dire que dès la semaine prochaine, il y a deux dispositifs Pop School qui ouvrent à Paris 18e. Et moi, je prends ma casquette de communicant, c'est que toutes les informations sont sur le site web, il est à jour normalement. Ok, alors Baptiste, puisque je te tiens, le numérique, en fait, on a beaucoup dit que c'était le secteur qui recrute depuis des années. Est-ce qu'il recrute toujours autant, le numérique? Bah, je crois qu'ils recrutent toujours autant, et même j'en suis sûr. On n'a pas, c'est vrai que chez Pop School, on n'a pas une journée où on ne reçoit pas un mail d'une boîte qui a un besoin spécifique. Il a besoin de développeurs, de personnes en cyber. Et c'est vrai qu'il y a des besoins qui sont aujourd'hui énormes et qui sont. Ce que je disais au tout début, c'est qu'il y a 80 000 personnes, il y a 80 000 emplois non pourvus chaque année. Le Covid, les confinements, ça a fait du mal, franchement, aux entreprises. Je crois que je regardais il y a quelques jours, les attaques, elles ont été multipliées par 400%, lors des 2 dernières années. Donc, on a besoin de personnes qui vont auditer, sécuriser les systèmes informatiques. On a besoin des opérateurs qui vont avoir l'oreille, en tout cas, sur les différents parcs et sur les systèmes d'info pour être en veille. On a besoin de personnes. On a eu l'explosion du coût du e-commerce. Du coup, on a besoin de personnes, eh bien, qui vont concevoir des sites intuitifs. On a besoin de personnes qui vont travailler le front, le back. Enfin, vraiment, on a des besoins, ouais, vraiment, vraiment partout. Et encore la semaine dernière, on était avec Mathéouche en rendez-vous entreprise. Et la personne, il y a des perspectives qui sont énormes. Elle nous exposait des perspectives énormes. Et du coup, ouais, il y a du taf. Pour tout le monde, surtout. Bon, ben voilà, bien des bonnes nouvelles. Vous voyez que ce n'est pas que la crise sanitaire et la morosité. 2022 a l'air bien souriante pour Pop School. Alors, pour conclure, hein, comme on l'a fait pour tous les autres, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à Pop School, à ses formateurs, à ses apprenants pour 2022? Mathéo? En un mot, je dirais de l'ancrage territorial. Baptiste. Et moi, je dirais du coup de la réussite, en tout cas pour nos apprenants et qui trouvent la bonne boîte, et aussi plus de mixité dans la filière, l'un de nos enjeux pour que demain, la filière du numérique soit plus représentative, en tout cas. Merci Baptiste, merci Mathéouche et bonne année Pop School.
On a parlé médiation, vous pouvez y aller, pardon. Et d'ailleurs, on va passer à la suite. Alors cette fois, sans sujet vidéo, parce qu'on va aborder une activité qui est peut-être moins facile à montrer en image, mais tout aussi intéressante, si ce n'est plus à expliquer. On a parlé de médiation, on a parlé d'insertion socio-professionnelle, de formation, mais tous ces dispositifs plus ou moins nouveaux qui impactent nos territoires, ils font bouger les lignes. Et les collectivités territoriales, les entreprises avec qui elles travaillent, les équipes de ces collectivités territoriales ont aussi besoin d'être accompagnées dans ces transitions. C'est le rôle que joue Pop-Up. Pop-Up, c'est l'activité de conseil et de design de politique publique du collectif Pop. Et j'ai le plaisir d'inviter pour cette session Pop-Up, Carmen Rouchet, directrice de Pop-Up. Bonjour Carmen, bienvenue. Et Sébastien Plion, associé Pop. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, question à Carmen pour commencer. J'espère que d'abord vous allez bien. Bonjour, oui, ça va. Ouais. Du coup, pour préciser un peu, parce que j'ai été un peu rapide dans la présentation, puis que Pop-Up reste quand même une activité au contour multiple, on va dire. Qu'est-ce que c'est Pop-Up ? Comment tu le décris, toi, directrice de Pop-Up ? Alors, bah, Pop-Up, c'est une petite activité, une petite structure plutôt dans le groupe Pop. Et nos activités, du coup, c'est vraiment tout ce qui va concerner le conseil, l'accompagnement et la formation autour des questions donc de design, d'innovation publique et sur les questions aussi d'appropriation des usages et des pratiques numériques qui viennent chambouler un peu notre quotidien. Mais alors, petite structure, mais je crois savoir que vous avez quand même beaucoup d'activités. Puis d'ailleurs, tu as fait une longue liste là. Mais alors, comment vous faites, petite structure de Pop, beaucoup d'activités? Sébastien, est-ce que tu peux parler du fonctionnement de Pop-Up qui est assez original, je crois? Oui, c'est un fonctionnement assez original. En fait, Pop-Up, on a une petite équipe salariée. Hein, il y a très peu de salariés. Mais en fait, on sait que dans les projets d'innovation qu'on fait pour les clients, il y a besoin de compétences multiples. Donc, besoin de gens qui savent faire du design, donc qui sont à la pointe du numérique connecté, d'autres personnes qui sont des spécialistes d'innovation publique. Donc, en fait, tous ces gens-là, ils sont disponibles et ils veulent travailler avec nous dans un réseau qu'on a créé, un réseau de contributeurs et qui travaillent avec nous sur les projets, mais qui ne sont pas salariés de Pop. Donc, on parle de réseau de contributeurs. Et avec eux, on ne fait pas que du projet. On réfléchit beaucoup à comment on fonctionne aussi en interne de Pop-Up. Et donc, on répartit nos financements entre nous pour s'accompagner sur les réponses aux appels d'offres. Sur notre fonctionnement collectif, on a mis en place des outils numériques transparents pour vraiment réfléchir à une nouvelle forme d'organisation. Donc, c'est un petit peu l'endroit où on se fait plaisir avec de nouvelles façons de fonctionner dans l'entreprise Pop-Up. Ok, mais donc c'est aussi innovant dans ses pratiques internes que dans ses propositions. C'est aussi une activité qui incarne un peu le slogan de Pop, faire société numérique, d'ailleurs au même titre que les autres, mais de manière peut-être plus visible. Alors, tout ça, c'est très intéressant, mais en même temps, design de politique publique, accompagnement des fonctionnaires territoriaux, projet d'innovation sociale, etc. Ça a l'air super, mais peut-être que quelques exemples, quelques explications vont permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre exactement ce que vous faites. Carmen, concrètement, 2021, quelques projets emblématiques qu'on puisse comprendre vraiment ce que vous faites. Alors, en 2021, par exemple, on a travaillé pour les centres sociaux connectés. Il y a eu une grande vague de recrutement sur des chargés de transition numérique il y a quelques mois. Et l'idée, en fait, c'était de former par l'action, parce qu'on aime bien les formats formation-action qui permettent d'apprendre par le faire. Donc, on les a formés sur un sprint de 2 jours pour qu'ils puissent maîtriser les pratiques collaboratives pour animer des ateliers avec les habitants. Pour être capable notamment de mener des diagnostics autour des usages et des pratiques numériques à l'échelle des quartiers. Dans l'idée, bien sûr, d'améliorer ensuite les actions du centre social en question à destination des habitants. Donc ça, c'est peut-être sur inversion formation. Sur le lien peut-être avec les questions de design et d'innovation publique, je pense aussi à un projet qu'on mène avec Tadao,
qui concerne là des expérimentations dans les quartiers politiques de la ville. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a été appelé parce que le réseau de transport existe, mais aujourd'hui, par exemple, il est peu ou pas utilisé. Alors, juste une précision, Tadao, c'est l'opérateur de transport en commun du bassin minier du Pas-de-Calais, une filiale de Transdev. Et donc, justement, Tadao ne savait pas vraiment pourquoi, finalement, son réseau de transport était peu ou pas utilisé dans ces quartiers-là. Nous, notre mission, ça a été justement d'aller sur le terrain, de rencontrer les habitants, de discuter avec eux sur pourquoi ils se déplacent, comment, et pourquoi, éventuellement, ils n'utilisent pas, du coup, ce réseau de transport. Et aujourd'hui, on arrive à cerner, du coup, des problématiques qui peuvent être le non-désir de mobilité, mais qui peuvent être aussi des problématiques liées à l'intermodalité, en fait, entre certaines offres de transport. Et du coup, là, on va rentrer en 2022 dans une phase où on va expérimenter, du coup, des solutions dans l'idée d'essayer de résoudre et d'ouvrir aussi un petit peu le champ de la mobilité à destination des habitants dans ces quartiers. Et ensuite, peut-être, ça, c'est plus des projets plaisir, comme on l'appelle, donc avec des étudiants aussi, du coup... L'idée, c'est de mener une sensibilisation des étudiants, notamment ingénieurs, donc des profils assez experts, sur des questions de comment est-ce qu'on implique l'usager aussi dans la conception d'un produit, d'un service ou d'un dispositif qui lui est destiné. Et du coup, là, l'idée, c'est effectivement sur une semaine, avec des étudiants, du coup, de leur montrer que dans toute cette phase d'analyse du problème, où on va chercher vraiment c'est quoi le problème finalement de notre usager, plutôt que de chercher à chaque fois à trouver la solution qu'on penserait être la meilleure, sans avoir pensé à demander à notre expert d'usage, finalement, l'expert du terrain, quel est le vrai problème. Super intéressant. Et d'ailleurs... Finalement, peut-être que c'est aussi une singularité chez POP d'avoir beaucoup des approches finalement. Quand on parle de numérique et de technologie, on ne s'attend pas à avoir des approches de sciences humaines, des approches de sociologie sur l'insertion, la médiation numérique avec tous les sujets de transformation de la société. C'est un peu le côté pas si tech que ça de la tech en fait chez POP. Et j'en profite d'ailleurs, Carmen, c'est l'avantage d'être en live. On a dans le chat une remarque d'Émilie qui semble avoir été en tout cas présente ou informée, que les chargés de transition numérique des centres sociaux connectés du Nord-Pas-de-Calais ont été hyper stimulés par la formation Pop-Up. Bravo. On continue un peu avec les exemples. 2022, donc là, tu as présenté un peu des choses qui ont été réalisées en 2021. D'autres exemples un peu comme ça qui mettent des étoiles pour 2022 ? Oui, et deux exemples parce qu'ils nous paraissent hyper importants pour comprendre un peu ce que fait Up. Le premier, c'est un travail qu'on mène avec la métropole européenne de Lille qui veut repenser complètement sa politique de... accompagnement à la transition écologique sur son territoire. Donc là, on pourrait se dire on est un peu éloigné du numérique, mais en fait, nous, notre propos, c'est de dire qu'on met l'usager en fait, au centre de la politique publique. On essaie de faire moins de politiques techno pensées d'en haut pour les gens, mais bien de les faire avec eux. Et donc, du coup, on est en train de regarder un peu tous les dispositifs d'appel à coopération, d'appel à commun. Donc ça, c'est vraiment de l'innovation publique pure, mais on a intégré en fait les habitants de la métropole, les gens qui proposent des solutions de boucles d'énergie positive, etc., dans la conception même de la politique publique. Donc ça, c'est un projet qui nous enthousiasme beaucoup et qu'on mène depuis un an maintenant. Donc le lien un peu entre le numérique et la transition écologique, transition de la société, etc. Ah oui, parce qu'on s'aperçoit par exemple que si vous voulez déployer une boucle d'énergie citoyenne sur un territoire, c'est pas parce que vous avez la solution technique que ça va se faire. Et qu'en fait, il y a vraiment des questions d'appropriation et de se dire, vous pouvez avoir toutes les solutions technologiques que vous voulez, si les gens ne se les approprient pas, si elles sont pas faciles à mettre en œuvre, et ben du coup, on va passer à côté de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc ça, c'est pour l'exemple sur la métropole, parce que nous, on vient d'ici, POP, on est sur ce territoire. Et puis le deuxième exemple, c'est un dispositif qui s'appelle les villages du futur, et donc qui est un dispositif qui a été lancé par la région Bourgogne-Franche-Comté, où en fait, l'idée, c'est qu'ils ont sélectionné une quinzaine de villages dans lesquels il faut faire des propositions pour redynamiser en fait, l'activité commerciale et les rendre plus attractifs pour de nouveaux habitants.
Et donc nous, Pop-Up, on travaille notamment sur un village qui est situé dans le nord de la Bourgogne. Et tout de suite, on leur a proposé, et ils ont sauté sur l'occasion, de dire comment on peut transformer la mairie en tiers-lieu, comment on peut monter des services numériques pour des nouveaux habitants qui peuvent être des circuits courts, la possibilité d'avoir accès à plein de services qui ne sont pas disponibles sur les territoires ruraux aujourd'hui, qui sont très disponibles en ville, comment on les implante dans un territoire rural. Et donc on travaille avec Châtel-Sensoir, c'est le nom du village, et on est très content de cette mission. Oui, donc c'est vraiment très, très varié, très divers comme type de projet, avec toujours un peu cette vision de transformation un peu des usages, d'accompagner les transitions, etc. Donc on est toujours, vous l'avez compris depuis le début de ce live des vœux, on est toujours sur les sujets de numérique à impact social quand même, d'innovation sociale numérique. Regardez le numérique du côté des usagers, du côté des pratiques, du côté de, non pas de ceux qui font les solutions, les start-upers, etc., mais du côté de ceux qui reçoivent et qui utilisent, n'utilisent pas, utilisent bien. Alexandre parlait tout à l'heure de numérique éthique, donc tous ces enjeux, ces questions de comment le numérique impacte la transformation de la société. Merci Sébastien et Carmen. Quand même, avant de conclure avec vous, le petit rituel, qu'est-ce qu'on se souhaite, qu'est-ce qu'on souhaite à Pop-Up et qu'est-ce qu'on souhaite à tout le cercle des contributeurs que vous avez évoqué pour 2022. En un mot, Carmen? Alors, en un mot, non, mais on va dire de l'enthousiasme, du fun, et des projets porteurs de sens et qui embarquent tout le monde. Voilà. Bah, moi, j'avais juste un petit mot, c'est plus personnel, mais moi, en 2022, je nous souhaite des bisous. Parce qu'on en a été privé trop longtemps avec ce satané virus, et j'espère qu'on sera capable de se refaire des bisous en 2022. Merci Carmen, merci Sébastien. On s'approche de la fin de cette émission spéciale Vœux 2022 du collectif Pop. Et pour conclure, je propose donc à Emmanuel Vandamme, le président de tout le groupe, de tout le collectif Pop, de venir avec nous. Nous rejoindre pour cette conclusion. Emmanuel, tu as suivi, j'imagine, attentivement toute cette heure de présentation des activités de Pop, tous ces défis en cours, toutes ces évolutions. En guise de conclusion, si tu avais un mot à ajouter à tout ce que nous avons entendu, qu'est-ce que tu dirais? On recommence. donc je suis très content d'avoir qu'on ait pu illustrer tout ce que fait Pop sur cette question du numérique à hauteur de territoire en matière de médiation, d'insertion, de formation, d'ingénierie, d'accompagnement des acteurs. On a un peu pris conscience en 2021 que ce qu'on fait finalement, c'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui combinent ces différentes modalités d'action. Aujourd'hui, on est 60 personnes dans l'équipe qui s'impliquent au quotidien pour mener toutes ces actions-là. Je veux aussi vraiment leur rendre hommage parce que c'est vraiment eux qui font sur le territoire, dans chacune des activités, dans chacun des territoires dans lesquels on est impliqué. On essaye vraiment au quotidien de faire vivre ce qui nous définit, c'est-à-dire de faire société numérique. On l'a déjà dit, mais je le reformule, parce que c'est vraiment un truc important pour nous, c'est qu'il y a une transformation numérique de la société avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Il faut, par rapport à ça, prendre du recul, pas faire de l'inclusion à marche forcée, mais vraiment proposer une vraie médiation qui vient éclairer sur les usages, une appropriation du numérique inclusif, amener vers un numérique choisi qui bénéficie à tout le monde, qui soit facteur d'émancipation, facteur de capacitation. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus, non pas simplement d'inclusion de médiation numérique, mais d'une transformation numérique inclusive des territoires. On a aussi le sentiment que cette question de la transformation numérique, il ne faut pas en faire une question individuelle. On n'est pas uniquement sur des solutions sociales à base d'aidance, de care.
Il en faut, mais il faut aussi prendre en compte le fait que c'est une question d'aménagement du territoire. C'est une question qui nécessite de mettre en place de l'innovation sociale, de l'innovation publique. Le numérique, c'est avant tout un enjeu politique. On va d'ailleurs, avec nos partenaires de la MEDNUM, interpeller les candidats à la présidentielle sur ce sujet. Ce n'est pas simplement un ensemble de solutions, c'est aussi un vrai choix de société à faire sur la place que l'on donne au numérique dans nos vies quotidiennes. Et à travers cette question de faire société numérique, c'est vraiment ce qu'on essaye d'incarner tous les jours dans tous les projets qu'on vous a présentés aujourd'hui. Merci Emmanuel. Alors, on s'approche de la fin de ce live 2022 du Collectif Pop. Je vais demander à peut-être tous ceux qui ont participé à cette émission de venir nous rejoindre sur ce minuscule plateau. Donc, on va tout faire exploser et d'amener avec vous dans votre cœur et dans votre esprit vos équipes. Emmanuel a dit, nous sommes 60, vous n'en avez vu que 10 ce matin. Je profite pendant qu'ils arrivent pour dire qu'en plus de toutes les équipes de Pop, vous avez compris, on fait souvent un travail d'intérêt général, on travaille en lien étroit avec des partenaires et des collectivités. C'est l'occasion de faire un clin d'œil à l'ANCT, à Stratéact, aux collectivités territoriales qui nous accompagnent, à la coopérative La MEDNUM, à France Tiers-Lieux, la Banque des Territoires et tous ceux que j'oublie. La liste serait vraiment longue, on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent dans ces différents projets. Et du coup, maintenant, nous sommes tous rassemblés sur ce plateau. Ça va partir dans tous les sens, je vous préviens. Et derrière, il y aura le générique. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous pour 2022 au nom de Pop et de toutes ses activités, de toutes ses équipes? Faire la fête. Dans tous les sens. Bonne année.